It goes on and on and on. People are so far away. Mais dude. When I look for the resistance. Mais, if you want my love, she do what is in. Bon, salut la team, voilà. Je dois travailler le soir, donc je voulais vous faire ce live. Ça fait depuis que j'ai plus parlé, j'ai plus conseillé, voilà. Je sors aujourd'hui pour vous parler. Je parle uniquement aux femmes. Je parle uniquement aux femmes. Je te bloque déjà, Rosa Carla. Bye bye. Je parle uniquement aux femmes. Voilà. J'ai écrit le titre. Femmes, prenez vos vies en main. Je ne serai pas long sur mon lap, mais je vais vous dire, femmes, prenez vos vies en main. Vous comprenez? Femmes, prends ta vie en main. Femme, ta priorité là, ça doit être ta vie d'abord. Ta priorité, ça doit être ta paix d'abord. Je vous en prie. Pour l'amour de Dieu, je vous parle en tant qu'une femme. Ta priorité là, c'est ta vie d'abord. Ta priorité, c'est ta paix. Voilà. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je sors, quand je sors pour faire un conseil, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de remarques. Je ne sais pas pourquoi vous pleurez quand vous avez des problèmes. Je ne sais pas pourquoi tu pleures quand un homme te fait du mal. Je ne sais pas pourquoi tu vas te stresser ta vie à cause d'un homme. Je ne sais pas pourquoi tu vas stresser ta vie parce que, oh, ma vie ne réussit pas, ma chérie. Je ne sais pas pourquoi tu donnes ta priorité. La femme aujourd'hui préfère souffrir. Eh Seigneur, qu'on vous donne un peu ma vie. Regardez-moi, je ne suis avec aucun homme. Je suis ici seule. Vous m'avez déjà vu ici, vous faites une vidéo avec un homme. Un Valdez aussi. Moi, j'ai compris dans ma vie que c'est Dieu qui donne. Quand vous allez comprendre que tout ce que tu as, ta vie là, c'est Dieu même qui connaît ce qui est bien pour toi. Tu ne vas même plus te casser la tête pour un homme. Tu ne vas même pas te casser la tête pour réussir ou pour quoi que ce soit. Mon bébé, tu souffres dans les mains d'un homme que Dieu t'a dit, Dieu est déjà mort. Tu souffres dans les mains d'un homme que tu vas aller avoir AVC là-bas. Tu vas aller avoir AVC, oh ma vie ne marche pas. Tu vas aller avoir AVC dans tout ça que... Tu, pour tes soucis là, te donnent même quoi? Tu vas aller avoir AVC à cause d'un garçon, mon bébé. Ma chérie, ma fille, petite soeur, ma fille, tout le monde, je vous appelle grande soeur parce qu'il y a tout sur ma page. Toi, tu vas aller avoir AVC, tu te fais les soucis. Je dépose ma caméra. Toi, tu décides de te détruire. Toi, tu décides de te détruire
parce que tu plains un garçon. Toi, tu décides de te nuire parce qu'un homme te fait ma chérie, je te dis que prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Ta vie avant tout. C'est moi qui vous dis ça. Si vous voulez, vous ne m'écoutez pas. Je dis que ta vie avant tout. Ta santé vaut mieux que l'homme que tu pleures là. Parce que je vais vous dire, je travaille en médecine. Plus tu te fais des soucis, plus tu pleures, plus tu diminues ton taux de vivre dans ce monde. Chaque personne qui a les problèmes, chaque personne qui pleure tous les jours, chaque personne qui a les soucis, ma chérie, tu n'as pas longue vie. Voilà le secret que je vous donne. Tu n'auras jamais longue vie. Tu ne vas pas vivre longtemps sur cette terre. Tu es en train de diminuer ton taux de vivre sur cette terre. Voilà le secret que je vous donne. Parce que la vie que tu vois là, c'est une coque. C'est une coque. Ta vie là, c'est une coque. Si tu entretiens mal ta vie là, ma chérie, tu n'as pas longue vie. La coque que tu vois là, les gens que vous allez voir, ils ont vécu 100 ans, ils ont vécu longtemps. Si on vous raconte leur vie, tu vas comprendre que souci là, tu ne dois même plus avoir ça pour quelqu'un. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu même qui connaît ce qui est bon pour toi. Pourquoi tu vas aller te gaspiller? Regardez mon âge. Regardez mon âge. Regardez comment je m'entretiens. Regardez-moi. Et si tu pars mourir AVC, et comme Valdez Rossi dit, mon bébé, tu vas aller mourir AVC au lieu de te faire joli comme maman Chantal. Je suis assise sur ma table, j'ai mon nuit de coco. De temps en temps, je m'arrange, je mets sur mes mains pour que mes mains soient propres. Mon bébé, prends soin de toi. Laisse-nous de prêler les hommes. Un homme qui est pour toi là, que Dieu même a dit que c'est pour toi, il va te localiser, même à 60 ans. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne mari, c'est Dieu qui donne garçon. C'est pas tes pleurs là, tu vas aller mourir avant le temps. Tu vas aller souffrir, pourquoi même? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous vous laissez torturer par les hommes? Je suis femme, je vous parle aujourd'hui. Pourquoi toi tu vas aller te torturer pour un homme? Pourquoi tu vas aller couler les larmes? Un homme même tu pleures, il s'en fout. Hein? Un homme que toi tu coules les larmes tous les jours, lui-même il s'en fout de tes larmes là. Toi tu continues. Parfois je me demande si vous êtes malade. Dieu qui est en haut là, tu ne sais pas que c'est lui seul qui tient ta vie dans sa main. Tu vas aller finir ta vie, ma chérie. Je vous donne le secret. Plus tu te soucies, plus tu pleures, plus tu as les problèmes, plus tu ne vas pas vivre longtemps sur cette terre. Tu ne vas pas vivre longtemps sur cette terre. Voilà le secret que je vous donne. Tu n'as pas les chances de longue vie. Tu n'as pas les chances pour vivre longtemps sur cette terre. Voilà. Si tu veux vivre longtemps, prends soin de ton cœur, prends soin de ton corps. Prends soin de ta vie. Parce que je vous dis que tu n'as pas longue vie même. Et je vais vous dire quelque chose là-dessus. Le Saint-Esprit ne vit pas là où il y a les pleurs. Dieu ne vit pas là où il y a les problèmes. Dieu ne peut pas bénir une maison qui a les querelles chaque jour. Tic-tic-tic-tic-tic-tic les problèmes. Dieu ne peut pas vous bénir. Si toi tu vis dans une relation où on te maltraite, tu pleures tous les jours, ma chérie, tu n'as pas encore compris la vie. Quand tu vas comprendre que ta vie là, c'est Dieu seul qui doit te faire souffrir. Un être humain comme toi va te faire souffrir et toi tu pleures. Un être humain comme moi là, un homme va me faire souffrir que tous les hommes de la terre sont morts. Tous les hommes de cette terre sont morts, ma chérie. On t'a prescrit cet homme qui te fait souffrir là. Tu ne sais pas que tu peux avoir AVC. Tu ne sais pas que tu peux avoir les crises cardiaques. Tu ne sais pas que plus tu pleures, plus tu es en train de faire tuer ton cœur. Plus tu es en train de te nuire. Plus tu es en train de vieillir. Plus tu es en train de stresser. Les scènes sont partout. Au lieu de prendre soin de ta vie,
tu pleures un garçon. Ma chérie, tu pleures un homme que Dieu t'a, c'est l'homme que Dieu t'a prescrit. C'est Dieu même se moque de toi. Tu pleures pour un homme. Quand on vous dit que dans la vie, aime celui qui t'aime. Aime celui qui t'aime. Un quelqu'un qui ne veut pas de toi, ça ne sert à rien d'aller pleurer là-bas. Prenez soin de vous les filles. Ta vie avant tout. Vous devez, ta priorité là, ça doit être toi-même. Ta priorité là, ça doit être toi-même. Tu dois entretenir ta paix. Tu as les enfants. Tu ne penses pas à tes enfants. Toi, tu pleures un garçon alors que tu as des enfants. Si crise cardiaque t'attrape, tu meurs. Tu tombes, tu pars. Tu vas dire quoi, ma chérie? Tu vas laisser tes enfants avec qui? Tu vas laisser tes enfants avec qui? Vous, les femmes qui souffrez dans les couples à la conne, là, tu souffres dans les mains d'un homme que... Tu souffres là-bas que tous les hommes de la terre sont morts. Tu souffres là-bas que tu... Toi-même, tu vois que tu souffres. Tu ne sais pas que Dieu ne vit pas là où il n'y a pas les problèmes. Là où il y a les problèmes, là, Dieu ne vit pas dedans. Ma chérie, si tu es dans une relation à la conne où il y a les problèmes, Dieu n'est jamais dedans. Parce que Dieu bénit, Dieu vit là où il y a la paix, Dieu vit là où il y a la joie, Dieu vit là où il y a la paix. Ton cœur, si, tu dois le protéger, parce que c'est le cœur là, quand tu vas prier Dieu, il voit ton cœur doit être libre. Toi, tu pleures pour un homme, l'homme même que tu pleures, il s'en fout de toi, je ne sais même pas comment vous faites. En tout cas, moi j'ai décidé de prendre soin de mes enfants et moi-même, jusqu'à ce que je me marie. Encore. Oui. Parce que moi, là, j'ai compris que la vie, là, on ne force rien dans la vie. Voilà le secret que je vous donne. On ne force rien dans la vie. Ma chérie, garçon qui te fait souffrir, là, quitte de là. Quitte de là. Tous les hommes de la terre ne sont pas morts. C'est Dieu seulement qui a ton dessein. Aucun garçon ne tient ta vie dans sa main. Même ta mère ne tient pas ta vie dans sa main. C'est Dieu seul-là qui connaît ce qui est bon pour toi, qui a prévu pour toi. Quand tu vois qu'une relation ne marche pas, tu pleures quoi là-bas? Tu pleures. Il m'a laissé, ma chérie. Tu pleures. Vous êtes encore jeune, moi, une vieille femme comme moi, comme ça. Moi, je vais aller pleurer pour garçon. Je pleure pour garçon. C'est moi qui joue garçon comme ballon. Hein, Christelle, Rodium, comment tu vas? Toi, tu vas aller pleurer pour homme. Garçon, on pleure. Ma chérie, pleure pour garçon qui pleure pour toi. Si tu veux pleurer là, pleure pour un homme qui pleure pour toi. Tu pleures, un homme même, il te laisse, il s'en fout de toi. Tu pleures même, il s'en fout. C'est genre un garçon, toi, tu coules les larmes. Au lieu de pleurer pour tes enfants, pleurer pour ta mère. Tu vas pleurer pour garçon même que un yougou garçon en train de te trimballer. C'est ça, tu pleures. Parfois, je me demande, est-ce que la femme même comprend même la vie? Vous ne certaines femmes ne comprennent pas la vie. Tu ne sais pas que toi-même, tu dois... Ta priorité, c'est toi. Moi-même d'abord. Ma priorité, là, c'est moi-même d'abord. Mes enfants et moi-même, c'est une place. Quand tu veux venir dans ma vie, là, il faut que tu sois dur. Voilà. J'ai décidé de ne pas courir derrière un homme. J'ai décidé de prendre soin de moi, de me faire belle, de me faire jolie, de m'arranger, de dormir et manger bien. Parce que les soucis là, plus tu as les soucis, plus ton taux de pourcentage pour vivre dans ce monde diminue. Voilà le secret que je vous donne. Vous qui aimez aller rester dans tu es dans une relation où tu pleures tous les jours, tu es malade. Tu vas aller tomber AVC pour garçon, tu vas aller tomber AVC pour quoi? Quand ça ne marche pas dans une relation, comprends que ce n'est pas là que Dieu a prévu pour toi. Sors de là et tu restes tranquille, tu cherches ailleurs. Tu vas aller pleurer pour garçon. Tu pleures pour garçon que tous les hommes de la terre sont morts. Tu pleures pour garçon que Dieu est déjà mort. Tu pleures pour garçon, tu ne sais pas que c'est Dieu qui tient ton destin dans sa main. Souci que tu pars faire dans une relation, tu souffres, on te torture, tu es là, l'homme dort dehors, il vient le matin, il sort les filles dehors comme il veut, il te joue comme ballon, tu pleures quoi? Toi, venez un peu me dire pourquoi vous pleurez.
Tu pleures un homme, on pleure dans la vie ici. Pleure l'homme qui pleure pour toi. Aime l'homme qui t'aime. Aime l'homme qui t'aime. Donne ton cœur à un homme qui t'aime. Et il faut couler tes larmes pour quelqu'un qui a aussi coulé les larmes pour toi. Toi, tu coules les larmes pour quelqu'un qui rit. Quand tu pleures là, il rit avec une autre fille dehors. Voilà le secret que je vous donne. Quand tu pleures là, ma chérie, lui, il rit avec une autre fille dehors. Prenez votre vie en main. Je parle aux femmes. Quand tu pleures là, pour lui là, il s'engaba même de toi. Il est en train de faire mougou une fille dehors et il fait rire la fille là. Donc, toi, tu penses que quand il sort là, toi, tu restes pleurer, tu vas pleurer quoi? Tu pleures que tes pleurs vont changer quoi dans ça? Tes pleurs ont changé quoi dans ta relation? Depuis que tu pleures là, tu pleures même, il te voit même d'abord. Je dis, hein, les filles, je ne, venez m'apprendre comment pleurer pour un homme. Moi, je suis vieille. Venez un peu m'apprendre comment pleurer pour un homme. Parce que c'est nous comme ça, mon âge là. C'est moi qui devais pleurer pour les hommes. C'est à mon âge là que je dois pleurer pour un homme. Vous êtes encore les jeunes filles. Vous êtes en train de vieillir avant l'âge. Les jeunes filles, tu les vois vieilles avant l'âge. À cause de pleurer pour les hommes à tout moment. Vous faites comment pour pleurer? Moi, je n'ai jamais pleuré pour un homme. Moi, j'ai appris dans la vie que Dieu, là, c'est lui qui connaît ce qui est bon pour moi. Quand j'entre dans une relation et que la relation ne marche pas, je me plie. Voilà. Je ne veux pas aller rester là. Oh, bébé, qui t'a écrit? Oh, qui t'a... Vous, ça, vous aviez le temps, hein? Vous aviez vraiment le temps. C'est pourquoi je vous dis que respectez-vous et les hommes vont vous respecter. Quand l'homme même voit que toi tu forces la relation, quand l'homme même voit que il a déjà tout fait, tu es toujours là pour pleurer. Oh bébé, je t'aime. Oh, lalala. Lui-même il va te jouer comme ça comme ballon. Lui-même là, vous pensez que les hommes sont fous? Il va te faire comme ça, même le ballon est mieux. Quand on voit que lui, il t'a déjà fait, il t'a gaba, il sort les filles dehors, tu as déjà tout vu, tu es toujours là. C'est là maintenant, il commence à te faire sa propre. Toi, tu pleures pour quelqu'un qui te fait souffrir. Comment même vous pleurez? Un homme qui te fait souffrir, tu pleures pour lui? Les larmes, là, garde ça pour ta mère. Ah, tu vas pleurer. Garde tes larmes de, que tu pleures les hommes là pour ta mère. Garde ça pour ta mère. Pardon. Quand tu vas perdre tes parents demain, tu vas pleurer. Laissez de pleurer pour les hommes. C'est vous qui, les femmes là, c'est vous qui amenez que les hommes ne nous respectent pas. C'est vous qui amenez que les hommes nous manquent le respect. Parce que les hommes aujourd'hui ont constaté que moins de choses, les femmes pleurent. Oh, oh bébé, tu m'as laissé. Maman, je suis vieille. Quand je vais vous déposer votre père ici sur la page, j'ai un homme dans ma vie. Hein? J'ai un homme dans ma vie. Moi-même, je le joue comme ça, comme le ballon de la terre. Oui, 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 oui. J'ai un homme de la, dans ma vie. Voilà. J'ai un homme dans ma vie. Là où vous me voyez là, j'ai un homme dans ma vie, un maire de mon pays. Je sors avec un maire de mon pays. Mais lui là, lui-même sa tête est déjà dongelée. Dongelée même que, hein, il a voyagé pour aller en Italie. Il est en Italie. Il m'appelle la nuit, oh bébé, ouvre la caméra. Je dis que fais ton voyage et tu rentres au Cameroun en paix. Parce que hein, moi je ne veux pas laisser un homme bata. Why? Parce que moi j'ai commencé, quand il a commencé avec moi là, je lui ai dit, je ne marche pas dans les titres. Parce qu'en Afrique, les gens aiment les titres. Vous comprenez? Oh, je suis maire, quand je suis député, quand je suis ministre. Quand il soit avec toi, il veut t'amener un petit rythme bizarre là. Moi, il lui ai dit que laisse d'abord l'affaire là. Parce que si c'est salaire là, moi j'ai un bon salaire plus que toi. Voilà. Et j'ai imposé le respect et il me respecte. Voilà. Où je suis là, je suis en couple avec un maire de mon pays. Voilà. Il a voyagé, il est arrivé en Italie ce matin. Il a une mission là-bas. Je ne le calcule même pas. Et je ne veux pas qu'il vienne ici. Voilà. Vous êtes là. Vous êtes jeune. Tu vas aller pleurer pour garçon. Tu pleures même pour Yougou Yougou garçon.
Pleurez pour les maires, pour les ministres, les grandes personnalités qui vont vous donner à manger. Moi, je pars au Cameroun. Il y a des filles en Europe qui sortent les bandits, des petits gigolos. Mais moi, je ne sors pas gigolo. Mon argent, je veux que quand j'arrive au Cameroun, j'ai un homme qui m'entretienne. Je mange à ses poches, il me nourrit, il me porte dans sa voiture, il me cherche à l'aéroport, c'est comme ça. Vous êtes encore jeune, c'est vous qui vous tracassez, vous avez encore toute la beauté. Eh Seigneur, prenez vos vies en main. Tes hommes là, ton homme là, comme tu le gères là, comme tu lui montres là, c'est comme ça qu'il va te prendre. Si tu commences avec un homme, tu lui montres que tu es... Ma chérie, tu es dans le pain. Il va te faire sa propre. Quand tu vis avec un homme, impose tes règles là dans la maison. S'il ne respecte pas ce que tu veux, tu le laisses. C'est comme ça une relation amoureuse. Tu ne peux pas arriver dans une relation amoureuse où ton homme doit te respecter, respecter aussi tes règles. Toi, tu marches selon les règles de ton homme, mais lui vit comme il veut. Qu'est-ce qui vous a dit que le mariage, l'homme doit vivre comme il veut, mais toi, tu ne dois pas imposer tes règles. Ma chérie, prenez vos vies en main. J'ai dit, les femmes là, prenez vos vies en main. Laissez-nous les choses de pleurer les hommes. De nos jours là, on ne pleure plus les hommes. Une femme qui pleure encore un homme aujourd'hui, elle n'a pas encore compris la vie. Les pleurs d'un homme là, ça ne changera pas le comportement d'un homme. Gardez le mot que je vous donne. Depuis que vous pleurez là, ils ont fait quoi? Ton homme a changé. Tu penses qu'un homme qui ne t'aime pas, un homme qui ne t'aime plus là, même si le sang sort dans tes yeux, ma chérie, il ne t'aime plus. Les pleurs, les... Oh bébé, je t'aime, ma chérie. Ça ne va jamais l'amener même à t'aimer. Quand un homme a déjà tourné son cœur loin de toi, là, c'est parti ailleurs. Même si tu pleures chaque jour, c'est toi qui perds. Parce que c'est toi qui perds ton énergie, tu perds tes larmes, ton cœur là. Tu peux avoir un AVC. Et tu vas avoir, tu sais ce que tu vas avoir mon bébé? Tu vas avoir les rides avant le temps. Tu vas avoir le stress. Vous ne savez pas que les rides viennent. Tu peux avoir les rides. Les rides vont s'asseoir sur toi. Tu seras comme une vieille femme avant l'âge. Regardez-moi mon âge là. J'ai déjà les grands garçons. Voilà. Mais j'ai décidé dans ma vie que quand un homme vient dans ma vie là, j'impose le respect. Oui, oui, oui. J'impose le respect. Je serai déjà mariée aujourd'hui avec monsieur le maire de mon pays. Mais il est parti voir mes parents. Quand il a fini de voir mon père, ils ont parlé là-bas. Quand mon père me demande que c'est comment alors le mariage, j'ai dit à mon père d'attendre. Voilà. Une autre fille, là, elle va courir. Oh, c'est un maire. Oui, il faut que je me marie, c'est un maire. Non, 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 non. On ne court pas pour le titre. On court pour le respect. Dans une relation amoureuse, entre dedans, pas le respect, n'entre pas pour le titre. Si tu cours vers un homme pour l'argent, pour le titre, pour tout ça, ma chérie, tu es dans le pain. Voilà, tu es dans le pain. Moi, j'ai compris ça depuis. Je serai déjà mariée depuis. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. 4 ans. Je vis avec un maire de mon pays. Il a mission en Espagne. Il est arrivé là-bas. Il m'a appelé par vidéo et dormait. Je lui ai dit, finis ton truc là-bas en Espagne. Tu rentres au Cameroun. Tu ne viens pas ici parce que moi, je travaille. Je ne veux pas aller prendre de congé dans mon travail parce que lui va venir faire un week-end ici, jamais. Je lui ai dit que tout dans ma vie est programmé. Essayez de mettre votre programme. Ne vous laissez pas tomber par les hommes. On ne s'embrouille pas. Une vraie femme prend sa vie à main. Tu montres à l'homme là que tu es ce que tu es, mais moi je suis aussi. Je peux m'imposer dans ta vie. Voilà. C'est comme ça qu'on vit. Vous pleurez les hommes. Toi tu es encore jeune, une vieille mère comme moi. Regardez comment je m'entretiens. Une maman chic choco. Je suis assise chez moi. Je prends soin de mes jolies mains. Je prends. Regardez l'huile de coco. Mes mains ne sèchent pas. De temps en temps, j'ai mon huile de coco. Je mets. Tu prends soin de toi, mon bébé. Je mets les trucs pour que mes mains ne soient pas sèches. De temps en temps, je m'entretiens. J'ai pas. Garçon, là, ne me fais pas peur. Toi, tu es encore jeune, tu pleures, garçon. Au lieu de prendre soin de toi-même, de ta santé, de ta santé mentale, ton cœur et ta vie et ta peau,
tu ne sais pas que les soucis vieillissent. Les soucis, l'avons-vous vieilli avant le temps? Regardez-moi, est-ce que vous me voyez avec les rides? Demandez-moi le secret. Est-ce que vous me voyez avec les rides? Moi, je ne fais pas les mèches. Voilà mes cheveux. Voilà. Vous ne demandez pas que la femme, si, elle a toujours ses cheveux. Elle a toujours sa peau. Je prends soin de moi. Parce qu'aucun homme là, il ne peut prendre soin de moi. Jamais. Je ne vais pas me négliger à cause d'un homme. Je ne vais pas pleurer à cause d'un homme. Ma chérie, quand un homme vient là, il connaît. Voilà, il connaît. La position est ferme. Je ne laisse pas un homme s'asseoir sur moi. Parce que le respect doit être mutuel. L'homme qui est avec toi doit te respecter. Toi aussi, tu dois respecter cet homme. Le respect ne doit pas venir de la femme. Vous pleurez. Un homme qui ne te manque de respect, toi, tu gâtes tes larmes pour ce... Tu gâtes tes larmes pour celui-là, ma chérie. Toi, tu vas aller gaspiller tes larmes pour un homme qui ne te respecte pas, mon bébé. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Les vraies larmes, là, que tu dois pleurer ta mère demain ou quelqu'un de ta famille, tu pleures, garçon. Tu pleures un homme qui te manque de respect. Maman, tu coupes tes larmes pour un homme qui te manque de respect. C'est quelle malchance. Vous, les femmes, vous nous souillez même. C'est vous qui amenez les hommes à vous dénigrer. C'est vous qui amenez les hommes à vous négliger, vous, les femmes. Parce que quand vous êtes dans des relations, tu dois imposer ta loi à ton homme. S'il ne respecte pas ça, tu le laisses. Parce que le respect, là, tu as besoin de respect comme ton homme a besoin de respect. On vous a dit que c'est les femmes seulement qui doivent respecter les hommes. Tu as besoin de respect, madame. Donc, prends ta vie à main. Laissez-nous les choses que tu te fais maltraiter dans une relation. Tu pleures. On peut pleurer pour un homme. Un homme qui te maltraite, tu pleures pour ça. Tu donnes l'occasion à cet homme de couler tes larmes. Pour un homme qui te maltraite, tu coules les larmes. Pour un homme qui te manque de respect, tu coules les larmes. Pour un homme qui s'en fout de toi. Vos larmes là, tu coules ces larmes dans quoi? Tu coules les larmes pour quelqu'un qui s'en fout de toi. Pour quelqu'un qui te manque de respect. Tu crois que tu fais du bien en pleurant devant cet homme là? Il se moque de toi propre. Quand il arrive chez sa copine dehors là-bas, il dit: ah, je l'ai laissé en train de pleurer. Vous ne savez pas que les hommes bavardent. Les hommes aujourd'hui bavardent. Quand tu avais lui là, quand il ne t'aime pas là, tout ce que tu fais, il va redire dehors. Il va redire à sa copine dehors. Il dit même à sa copine que tu as pleuré, tu as fait ceci, que lui ne veut plus de toi, tu pleures chaque jour. Vous ne savez pas ça. Imposez le respect, prenez vos vies en main dans vos relations. Prenez vos vies en main dans vos relations. Une femme, une vraie femme, ça impose le respect. Une vraie femme, ça impose le respect. Voilà. Une vraie femme impose le respect dans une relation. Un homme qui ne te respecte pas, ma chérie, dis-lui cache qu'on se sépare. Ce n'est pas lui qui te donne le souffle de vie là, c'est Dieu qui te donne ça. Tous les hommes ne sont pas morts. Moi, je vais aller pleurer pour un homme qui me fait souffrir. Pendant que tu pleures, lui rit dehors avec une autre fille. Voilà le secret. Vous qui aimez pleurer les hommes là, ma chérie, oh, 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 il m'a fait, oh chérie, bébé, maman, tu appelles qui chérie? Un homme qui te manque le respect, tu lui appelles même encore chérie? Tu as même encore le culot de dire chérie? C'est vous qui faites que les hommes vous négligent. C'est vous qui faites que les hommes vous négligent. Moi, je vis avec un maire de mon pays. Je vis avec un maire de mon pays. Voilà. Mais moi, je lui ai imposé mon respect. Il voulait m'amener les choses. Oh, je suis maire, je suis ceci, je suis. Je lui ai dit que ça s'arrête là-bas au Cameroun. Ici, chez nous, tu n'es pas maire du pays que je vis là. Il me dit: quoi? Les filles me respectent ici, machin. Je lui ai dit que ça ne me regarde pas. Voilà. Parce que je lui ai imposé ce que je veux. Vous, quand tu arrives dans la vie d'un homme, même qu'il y a un peu de tigre comme ça, il faut les voir trembler. Oh, franchement, oh, tu marches, tu veux ramper à genoux. Ma chérie, tu rampes à genoux, pourquoi?
Pourquoi tu vas ramper à genoux chez un homme? C'est l'homme qui doit ramper à genoux sur toi parce que tu es une créature de Dieu. La femme, c'est quelque chose que Dieu a créé à sa manière. La femme, même, l'homme même que tu pleures là, c'est lui qui devrait pleurer pour toi. Tu ne sais pas que c'est toi là que l'homme doit pleurer. L'homme là que tu pleures pour lui là, c'est lui qui doit pleurer pour toi. Tu te retrouves en train de pleurer parce que tu as oublié tes valeurs de femme. Tu as oublié que tu as la valeur. Une femme a la valeur. Une femme impose le respect dans sa relation. Une femme dit à son mari, stop. Si tu continues, ça s'arrête. Voilà. Vous n'arrivez pas à dire à vos maris, stop. Si tu continues, ça s'arrête. Tu vis dans la bouillie, là. La bouillie, il te trimballe comme il veut, tu pleures. Il faut prendre vos vies en main. Une relation amoureuse. Le respect doit être mutuel. Égalité. Le respect que tu lui donnes là, toi aussi, il doit te donner ce respect. Quand tu es dans une relation, impose à ton mari de te respecter. Impose à ton homme de te respecter. Et dis-lui que s'il n'y a pas le respect, on se sépare. Les hommes vous trimballent parce qu'ils savent qu'ils ont toujours fait n'importe quoi. Vous acceptez. L'homme là, s'il fait une bêtise, tu acceptes une fois, deux fois. Il va faire ça toute ta vie avec toi. Parce qu'il sait que toi, tu acceptes toutes les bêtises qu'il fait. Il faut dire la vérité, il faut savoir imposer le respect dans les relations amoureuses. L'homme là, c'est qui? Tu es une personne, lui aussi, il est un homme. Normalement, c'est la femme qui est plus sensible. C'est la femme qui doit même être plus chérie dans le couple. Toi, tu chéris ton homme, lui, il ne te chérit pas. Toi, tu vis dans quel couple comme ça? C'est l'homme qui doit te chérir. Toi, tu es en train de chérir ton homme, tu prépares, tu laves les appels. Relation que tu pleures chaque jour là, tu vas pleurer combien d'années? Donc toi, Dieu t'a créé pour venir pleurer dans les mains de garçons. Imposez le respect. Moi, votre mère là, quand elle va vous montrer votre père sur les réseaux, un chaud mec, il est beau, il est propre, un responsable. Mon gars, c'est un maire du Cameroun. Voilà, l'homme avec qui je partage mon intimité. C'est pourquoi vous voyez ici chez moi aucun homme, parce que moi, je suis fidèle. Je suis très, très fidèle. Je ne suis pas dans ma gauche à droite. Quand j'ai un homme, je suis avec. Même si tu es en Chine. Parce que la mougouli ne m'intéresse pas. J'ai dit que la mougouli ne m'intéresse pas. C'est pourquoi vous me voyez toujours calme. Je vis avec un homme, un maire de mon pays. Mais je suis calme. Parce que moi, je ne suis pas à gauche à droite. À gauche à droite. À gauche à droite. Vous allez voir mon téléphone. Je fais les laves avec mon téléphone. Mon téléphone ne sonne jamais. Parce que mon numéro là, je ne le donne pas aux hommes. Apprenez aussi à faire ça. Quand tu es avec un homme, reste avec un homme et Dieu va te bénir. La chance que j'ai eue, c'est que ce mec est célibataire et il n'a jamais été marié. C'est la chance. Dieu m'a mis devant lui. Parce qu'il n'a jamais été marié, il est célibataire. Sinon là, j'allais être une chisa. Voilà. C'est pourquoi je suis avec lui. 4 ans, je suis avec lui. Voilà. Donc, j'ai imposé mon respect dès le départ. Vous connaissez, en Afrique, là-bas, quand un mère sort avec une fille, tu vas voir la fille, elle est soumise comme le chat. Mais moi, là, je lui ai imposé mon respect. Oui, oui. Je lui ai imposé mon respect. Parce que j'ai imposé qu'il doit me respecter. Vous êtes dans les relations. C'est toi qui respectes l'homme en côté. L'homme ne te respecte pas. Et c'est toi qui pleures encore. Hé, maman. C'est quelle relation amoureuse que vous cherchez comme ça? Je dis ta vie avant tout. Femme, ta vie avant tout. Ta paix avant tout. Tu ne vas pas aller mourir d'AVC, de crise cardiaque à cause d'un homme qui ne te respecte pas. Toi-même, quand tu pleures pour un homme là, tu ne réfléchis pas que si quelque chose m'arrive maintenant, si je tombe malade maintenant, qu'est-ce qui va garder mes enfants? Tu ne réfléchis pas. Toi, c'est garçon qui t'intéresse. C'est pleurer, garçon. Tu pleures pas là-bas. Il t'a déjà conçu une maison. Il te donne les milliards. Hein? Il te donne quoi là-bas que tu vas couler les larmes? Quand quelqu'un te manque le respect, ma chérie, montre-lui que tu peux lui manquer aussi le respect. Pour lui faire mal aussi, manque-lui le respect, ce qui est sûr, c'est ça. Quand tu vas aller pleurer, quelqu'un me manque le respect et c'est moi qui coule encore les larmes pour lui. Hein? Maman, c'est là où même le film de Kang Chang chinois va commencer. Tu me manques le respect, c'est là où le vrai film commence.
Quand tu vas aller pleurer, un homme te manque de respect, tu pleures pour lui. Au lieu de chercher à quitter ces conneries-là. Je vous dis le secret du couple. Si tu ne dis pas à ton homme, vous qui êtes dans les relations-là, si toi tu ne dis pas à ton homme que change de comportement, sinon on se sépare. Dites ça à vos hommes, c'est moi qui vous dis vous allez voir le changement. Tant que tu ne dis pas à ton homme que bébé, le comportement que tu as là, tu n'avais pas ça au début. Si tu ne veux plus de moi, si tu continues, on se sépare. Tu vas voir, ton homme va changer. Ce n'est pas les, oh, on m'a dit que tu as une fille, oh, tu as ceci. Ce n'est pas les pleurs, les problèmes qui changent. Ce n'est pas les problèmes qui changent. Ce n'est pas les conneries de dire, hein, Béatrice, pour nous, ce n'est pas les dire que, oh, tu as, ma chérie, ne bagarre pas avec ton homme. Tu perds ton énergie pour rien. Tu vas déchirer tous ces habits-là, ça ne changera rien. S'il a une chise à dehors, lui, il va aller de là-bas. Tu vas déchirer ses habits à la maison. Dès que tu finis de déchirer, il part dormir chez la chisa. Toi, tu crois que faire les problèmes avec lui, bagarrer, c'est ça qui va... Vous êtes encore... Les hommes, maintenant, quand tu es avec un homme, dis-lui que... Chérie, tu n'es plus comme je te connais au début. C'est moi qui vous donne le secret d'une relation amoureuse. Dis-le que, comme je te connais au début, si tu ne veux plus de moi... Si tu ne changes pas de comportement, on se sépare. Quand tu dis ça à un homme, lui-même, il sent que tu n'es plus dans le jeu même. Mais si tu fais que, si fait des bêtises, tu es là. On m'a dit que, pourquoi tu as dit dehors, maman? C'est quel problème? C'est quel... Tu t'humilies? C'est l'humiliation que tu te fais. Un homme sort, il rentre le lendemain, il dit dehors, tu lui fais les problèmes. Bébé, tu as duré dehors, pourquoi tu viens là? Ma chérie, c'est pas ça qui va résoudre. Dis-lui seulement une fois que je constate que tu as changé et d'une manière posée. Posée parce que toi, tu dois te donner de la valeur. Toi, en tant que femme, tu dois te donner de la valeur. Quand ton homme a changé, dis-lui doucement, sans pleurer, sans même... Quelque chose, dis-lui posément que je constate que tu as changé. Tu n'es plus le même que j'ai connu dès le départ. Si tu continues ce que je vois, je vis là, on se sépare. Quand tu parles à un homme dans le calme, lui dit que s'il continue, vous allez vous séparer. Il ne va plus, il va arrêter. Il va arrêter et il va changer. Parce qu'il sait, et il faut être sérieuse dans ce que tu dis. Parce que vous faites souvent, oh, je m'en vais dans ma famille, tu plies les bagages, tu restes en route, tu déposes sur la porte, après tu dis encore, quand il sort, il revient, il trouve que tu es encore à la maison. Voilà, c'est ça que les hommes ne vous respectent pas. Faut prendre vos vies en main. Le mariage, ça demande le respect des deux côtés. C'est moi qui vous dis ça. Un homme qui ne te respecte pas ne mérite pas ton respect. Ce qui est sûr, c'est ça. Donne ton cœur à un homme qui t'aime. Donne le respect à un homme qui te respecte. Tu es une femme. Tu mérites que ton homme te chérit. Tu mérites que ton homme t'aime. Un homme ne peut pas te prendre, t'amener dans sa maison. Vivre avec lui, tu prépares pour lui, tu fais les enfants pour lui, tu laves ses habits et puis te trimbales. Et puis tu es toujours dans ça. Ma chérie, tu attends. Tu vas vivre dans ça combien d'années? Tu vas vivre dans ça combien d'années? Tu vas mourir avant le temps. Ton taux de vivre ici-bas est diminué. Dieu ne vit pas là où il y a les problèmes. Dieu vit là où il y a la paix. Dieu règne là où il y a la paix. Dieu règne là où il y a le bonheur. Dieu règne là où il y a la joie. Une maison remplie de problèmes ne connaîtra jamais la bénédiction de Dieu. Voilà le secret que je vous donne. Une maison remplie de problèmes, des pleurs, des disputes, Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit fuit et il va ailleurs. Il se calme, il te regarde. Parce que le Saint-Esprit sait que toi, tu peux sortir de ces problèmes. Mais tu restes, tu es toujours là. Toi, tu veux être béni pendant que tu vis dans une relation qui te fait pleurer. Comment Dieu va te bénir? Dieu ne bénit pas. Dieu ne vit pas là où il y a les problèmes. Dieu aime là où il y a la joie. Les gens sont contents. Les gens rient. Relation où tu es, tu pleures là, ma chérie, sors de là. C'est pourquoi vous allez voir certaines relations,
quand tu sors de là, ta vie change. Les bénédictions commencent à venir parce que c'est une délivrance. Parce que c'est une délivrance, tu commences à avoir la paix. Et quand tu as la paix, c'est là où tes bénédictions viennent. Le bonheur commence à te suivre. Le bonheur, tu vois les choses changer. Parce que Dieu ne vit pas là où il y a les problèmes. Quand tu vis dans une relation qui a les problèmes, ma chérie, tu ne seras jamais béni. Parce que Dieu, là, la bénédiction ne vient jamais là où il y a les problèmes, là où il y a les querelles. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans ces situations-là. Le Saint-Esprit vit là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le bonheur. C'est là où Dieu met la bénédiction tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu sors là où tu quittes là où tu as le problème, tu vas voir que ta vie change. Même ton temps change. Même ton mental, tu dors bien la nuit. Donc, vous les femmes, là, prenez vos vies en main. Laissez de nous souiller. Quand tu es avec un homme, cet homme te doit le respect. Les plans que tu peux faire, je demande même, je vais un peu poser une question. Les plans que vous partez souvent pleurer chez les hommes là. Donc, dans la relation toi, tu es avec ton homme là lui-même, il ne peut pas aussi pleurer pour toi. Pourquoi vos hommes ne pleurent pas pour vous pour dire que je ne veux pas te perdre ma chérie? Ils pleurent. Pourquoi c'est vous seulement qui pleurez? Pourquoi c'est à vous les femmes de pleurer les hommes et les hommes ne pleurent pas pour vous? Dans une relation amoureuse, toi aussi tu aimerais vivre que c'est ton homme qui pleure, qui ne veut pas te perdre. Ça fait du bien quand un homme pleure que chérie, je ne veux pas que tu partes, je veux te perdre, je ne veux pas te perdre. Parce que c'est l'homme qui doit te marier. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que l'homme là, il n'épouse que la femme qu'il aime. L'homme là, il met son argent là où il aime. L'homme là, il épouse que la femme qu'il aime. L'homme n'épouse jamais une femme qu'il n'aime pas. Parce que c'est l'amour que l'homme a pour une femme qui va l'amener à l'épouser. Donc, toi tu vas aller rester là où on ne t'aime pas, là, ma chérie. Tu joues dans perte de temps. Parce que l'homme là, un homme qui t'aime là, c'est lui qui va t'épouser. Ce n'est pas parce que tu aimes un homme que tu pleures qu'il va t'épouser. Ma chérie, tu perds le temps. L'homme n'épouse que la femme qu'il aime. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici que restez avec les hommes qui vous aiment. Quand un homme aime beaucoup, quand un homme aime plus que la femme est heureuse. La femme là, même si elle fait les défauts, l'homme ne voit même pas ses défauts. Quand un homme ne t'aime pas là, petite chose comme ça, il a critiqué. Il ne regarde pas ce que tu fais en bien. Quand un homme ne t'aime pas, tout ce que tu fais en bien là, c'est dans l'eau. Tout ce que tu fais en mal là, c'est ça qu'il met en haut. Voilà. Tu vas préparer, tu vas tout faire comme tu faisais avant là. Il verra ça zéro. Donc quand un homme t'aime là, c'est là où la relation marche. Voilà. La relation marche très bien et la femme vit heureuse quand son homme l'aime. Si toi tu aimes ton homme là et qu'il ne t'aime pas, ma chérie, tu joues dans. Tu attends l'avion à la Europe. Tu attends l'avion à la gare. Voilà. L'homme là, il se marie avec toi parce qu'il t'aime. Quand un homme ne t'aime plus, comprends qu'il ne t'aime plus, sors de là. Parce que tu vas rester là. Est-ce qu'il va te marier? Non. Parce que l'homme ne peut pas te. Un homme qui ne t'aime pas, il ne peut pas t'épouser. L'homme n'épouse que la femme qu'il aime. L'homme ne donne l'argent qu'à la femme qu'il aime. L'homme ne respecte que la femme qu'il aime. Si tu vois que ton homme ne t'aime pas, pourquoi tu pleures? Sors de là et cherche un autre homme, c'est tout. Prenez vos vies en main, ta vie avant tout, ta santé avant tout. La santé morale, là, c'est très très important. Si ton moral, là, mental là, est mal à l'aise, tout de toi est mal à l'aise. Donc, je vous exhorte à prendre vos vies en main et imposer le respect dans la relation amoureuse parce que relation amoureuse, la femme aussi mérite le respect. Tu mérites que ton homme te respecte. Tu mérites. Voilà. Tu mérites le respect venant de ton homme. Tu ne peux pas vivre les humiliations de ton homme et c'est toi qui pleures encore cet homme. Tu le pleures pourquoi? Tu coules les larmes pour ce fou qui te fait pleurer. Un homme qui te fait pleurer, toi, tu vas aller couler les larmes pour lui. Maman, laissez les hommes pleurer aussi pour vous. Pourquoi vous, les femmes, vous ne laissez pas les hommes pleurer pour vous? Hein?
Pourquoi vous-même, vous ne laissez pas les hommes pleurer pour vous? C'est seulement vous qui pleurez pour les hommes. Les hommes aussi perdent le temps. Les hommes aussi sont là, vous avez fait les enfants ensemble. Pourquoi elles ne pleurent pas pour vous? C'est toujours les femmes qui pleurent les hommes. 90% c'est les femmes. Ma chérie, tu pleures quoi? Tu pleures l'homme là que Dieu est déjà mort. Tu pleures l'homme là que c'est l'homme là qu'on va t'enterrer dans sa cuisse. Tu pleures l'homme là que c'est l'homme là qui tient ton souffle de vie. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais pleuré pour un homme. Depuis que je suis née. Parce que moi, je comprends la vie. Je comprends que quand une relation ne marche pas, c'est que ce n'est pas mon homme. Donc, ça ne sert à rien que j'aille pleurer là-bas. Je vais pleurer pourquoi? Quand une relation n'a pas marché, ça veut dire que je suis sur le mauvais endroit et sur la mauvaise personne. Ce n'est pas mon homme. Je me débarrasse, je cherche ailleurs. C'est pourquoi je ne pleure pas, garçon. Moi, j'ai compris depuis. On ne marie pas le mari depuis. Ce qui n'est pas à toi là. Ma chérie, même si tu vas couler toutes les larmes de la terre, ça ne sera jamais à toi. Donc, retenez-vous. Ce qui n'est pas à toi là, même si tu vas pleurer tous les seaux de la terre, rempli de larmes là, ça ne sera jamais à toi. Quand vous allez comprendre que c'est Dieu là, seul qui connaît qui est ton homme, c'est Dieu qui décide dans ta vie, tu ne vas même pas perdre une minute avec un homme qui te trimballe. Tu ne vas même pas couler une larme pour un homme qui te manque de respect. Quand il commence, tu te plies. Tu dis, ici, ce n'est pas ma place, je me retire. Un homme qui t'aime là, quand tu te retires, il sait où te trouver. Il sait où te trouver. Si lui-même, il t'aime là, quand tu es parti là, si vraiment il t'a aimé, si vraiment c'est l'homme que Dieu a prévu pour toi, il va te chercher avec la torche. Tu ne vas pas quitter de là que ton homme ignore là où tu es. Ton homme ignore ta famille. Ton homme ignore où te trouver. Il sait bien. Pourquoi tu restes souffrir là? Tu sors de là. Si vraiment il t'a aimé, il va revenir lui-même te prendre. Et quand il vient te prendre comme ça, il ne va plus te traiter de la même manière qu'il te traitait. Parce qu'il va voir que tu pars souvent. Parce qu'il va voir que hein, tu pars souvent quand il te maltraite. Donc quand il vient te chercher là, il ne va plus se comporter de la même manière. C'est parce que vous croyez, vous restez souvent, tu restes dans la relation, tu restes. Il faut partir, un homme que Dieu a, s'il est l'homme que Dieu a prévu pour toi, lui-même, il va chercher ta route et il va venir te prendre. Voilà. Il va revenir te chercher, te prendre, t'amener chez lui. Voilà. Et quand il t'a ramassé comme ça, il va changer. Il ne va plus faire les mêmes choses qu'il te faisait parce qu'il saura que tu ne blagues pas. Tu as souvent l'habitude de partir. Voilà. Un homme te trimballe quand il voit qu'il fait les erreurs, il fait tout ce qui est mauvais. Tu es toujours là. Un homme te trimballe quand il sait que toi-même, tu lui as déjà dit que oh, ma famille n'est rien. Parce que vous parlez mal de vos familles là-bas. Oh, ma famille ne prend pas soin de moi, elle s'en fout de moi. C'est ce que vous faites. Lui-même, il connaît toute l'histoire de ta famille. Il va te battre même. Tu lui as déjà montré que ta famille est pauvre. Personne ne peut t'aider là-bas. Comme vous savez bavarder. Racontez tout de vos familles à vos hommes. Maintenant, quand tu arrives dans la relation, il commence à te jouer comme ballon. Parce qu'il sait que tu n'as pas un derrière soudé. Il sait que tu n'as pas un derrière soudé. Voilà. Moi, là, quand je commence avec un homme, je l'amène d'abord chez mon père. L'homme même là, il va me respecter. Parce que mon père, là, ce n'est pas je même. Même ma mère. Donc, quand un homme me drague, là, la première personne que j'envoie mon gars, que va voir mon père. Lui-même, il sait déjà que quand il avait moi, là, il y a derrière soudé. Donc, il ne va pas me faire du n'importe quoi. Voilà. Donc, ne parle jamais mal aussi de tes parents chez ton gars. Même si tes parents sont les plus mauvais de la terre, les plus bêtes de la terre, on ne parle pas de sa famille chez son homme. Comme tu as parlé de ta famille chez ton homme, dit que eux ils sont rien, eux ne prennent pas. C'est comme ça que ton mari va te traiter parce qu'il saura que tu n'as personne derrière toi qui peut lui faire quelque chose. Parce qu'il saura que tu ne peux aller nulle part. Parce que tu n'as pas de maison, personne ne va t'accepter. Donc, il va te faire souffrir. Parce qu'il saura que tu n'as que lui seul. Donc, prenez vos vies à main. La vie là, ce n'est pas du jeu. On ne rit pas avec la vie. La femme a le droit de donner ses droits
une femme n'est pas née pour souffrir dans le mariage. Une femme mérite le respect. On ne peut pas te maltraiter chaque jour. Et tu es là, tu pleures. Tu pleures qui? Tu pleures garçon. Tu pleures yougou yougou garçon. Les garçons qui te... Tu pleures un homme qui te maltraite, ma chérie. Tu pleures un homme qui te maltraite. Il faut vous arrêter. Prenez vos vies à main. Plus tu pleures, plus tu as les problèmes, plus tu vieillis. Plus tu vieillis, plus ton taux de pourcentage de vivre longtemps diminue. Voilà le secret que je vous donne. Un être humain vit longtemps quand il s'entretient bien psychologiquement, physiquement. Voilà. Là, tu as les fortes chances de vivre longtemps. Mais si tu commences à vivre dans les pleurs, les soucis, chaque jour, tu n'as pas les taux. Tu ne peux pas vivre longtemps. Voilà le secret que je vous donne. Tu ne vas pas vivre longtemps, ma chérie. Voilà le secret que... Si toi, tu vas vivre dans les relations à la conne, tu ne sais pas que c'est mieux de vivre célibataire et à l'aise que de vivre dans une relation où tu pleures tous les jours. Tu pleures, un homme même qui te maltraite, qui te fait pleurer, comment tu fais même pour mougo avec lui? Tu mougo avec encore avec celui-là? Un homme qui te fait pleurer, toi, tu vas encore rester avec lui, il te dit, viens, mougo, tu mougo aussi. La mougouli, là, on donne le con là à celui qui t'aime. La mougouli dans une relation, on le fait dans l'amour, dans la joie. Toi, tu mougo avec un homme qui te maltraite. C'est que tu n'as pas compris la vie, ma chérie. Toi-même, tu vas aller mougou. Un homme te fait pleurer, il sort comme il veut. Quand il veut mougou à la maison, tu t'enlèves encore les habits, tu mougou avec lui. Toi-même, tu vois que tu es bête. Tu es la plus bête de la terre. Je ne sais même pas comment vous faites. Moi, un homme m'a déjà dérangé, un homme me maltraite et puis il va encore mougou avec moi, ma chérie. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment il va lui donner mon corps. Prenez vos vies à main. Et vous qui bavardez là, les femmes là, vous bavardez trop. Vos problèmes là, dans la vie, on ne raconte pas sa vie au chat et au chien. On raconte, soit tu décides de raconter ta vie au chat, tu laisses les chiens. Soit tu fermes la bouche. Dans la vie, une personne, tu dois avoir une seule personne que tu te confies. Parce que 90% de vos copines à la conne que vous confiez vos bêtises et problèmes, là, ils se moquent de vous. C'est eux-mêmes, vos copines là que tu parles. Oh, ma, on dit ça que ça. C'est eux-mêmes qui se moquent de vous. 90% des personnes que tu racontes tes problèmes se moquent de toi. Ma chérie, voilà le secret. Quand tu vas pleurer là-bas, oh, ce que mon gars m'a fait là, oh, lo, 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 il rit de toi. Elle se moque même de toi propre. 90% se moquent de toi. Voilà, pendant que tu crois que tu fais du bien, elle se moque de toi. Dans vos problèmes là, dans la vie, on ne parle pas de sa vie à tout le monde. En tout cas, moi, je n'ai pas d'amis. Tu dois choisir une personne que tu passes souvent voir quand tu as les problèmes. Et une maman, pas les jeunes filles entre vous là, pas les copines, une maman. Parce que l'amitié finit toujours. L'amitié aujourd'hui, vous pouvez être bien aujourd'hui, mais sache dans la tête que ça va finir un jour. L'amitié n'est jamais éternelle. Voilà. Aucune amitié n'est éternelle. Donc, vos problèmes de couple que vous prenez pour aller jeter dans les bras de vos amis, là, ma chérie, amitié n'est jamais éternelle. Vous pouvez vivre le bonheur aujourd'hui, mais sache qu'il y aura une séparation demain. Et quand la séparation sera là, tous tes secrets seront dehors. C'est comme ça les amitiés aujourd'hui. Voilà. Donc, ça sera dehors. Donc, avant de confier tes problèmes aux gens, réfléchis d'abord si les gens là sont des gens qui peuvent garder tes secrets. On ne livre pas les problèmes de couple à tout le monde. Voilà. Vous livrez vos problèmes de couple aux chats, aux chiens, même les rats. Chat et chien, ça veut dire que toutes tes copines sont au courant de tes problèmes. On choisit souvent une seule personne où tu confies tes problèmes. Voilà. Une seule personne que tu confies tes problèmes. Voilà. Donc, vous confiez vos problèmes à tout le monde. Vous pensez que les copines, c'est les qui? Vous prenez les copines, vous racontez tout. Oubliant que copinage, là, ça finit souvent. On vous a dit,
que les amitiés là, ça dure. Les amitiés là, c'est pas toute ta vie, hein. La fille que tu es là, oh ma co, ma jojou, ma juju, ma chérie. Sache que tu n'as pas 5 ans avec elle. Ça va se casser. Tu vas lire l'heure. Parce qu'elle va t'exposer comme le chat. Elle va t'exposer propre. Je vous dis seulement, fermez vos bouches. 90% des personnes avec qui, à qui tu confies tes problèmes se moquent de toi. Dès que tu finis de lui dire, elle appelle, elle dit, oh Marco, elle appelle les autres. Elle était ici. Oh, ne cesse de vanter ici que son gars l'aime. Voilà. Ils vont se moquer de toi derrière. Tu rentres, tu as honte. Dans la vie, on choisit une personne à qui on confie ses problèmes, ses petits problèmes de couple. Problème de couple, ce n'est pas comme tes problèmes de la vie. Il faudrait comprendre ça. Problème de couple, là, ce n'est pas comme les problèmes de la vie, les problèmes simples. Celui de Coco, hein. Celui de Coco. Je mets l'huile de coco sur mes mains pour que mes mains ne sèchent pas. Quand je suis assise ici au salon, j'achète ça dans une parfumerie ici. Voilà. Donc, il faut... Hein, Ayoni, Peneria. Ah, quand le foyer est une déception, mon bébé, tu sors de là. Tu vas faire comment? Les hommes se foutent de nous. C'est ça que je suis en train de dire. Ne vous laissez pas trimballer par les hommes. Le temps que tu te fais trimballer là, toi-même, tu es dans une relation. Tu vois que ici là, je ne peux pas décrocher le mariage. Ici là, ça ne peut pas donner. Tu fais quoi là? Tu vas perdre le temps, tu perds le temps, tu perds le temps. Ton temps là, le temps de la femme fini, le temps de l'homme là, ce n'est pas comme le temps d'une femme. Parce que la femme là, son temps là, la femme là, elle vieillit vite. La femme vieillit vite, oh. La femme vieillit vite. Et pourtant, l'homme là, même s'il a 90 ans, il peut marier une fille de 20 ans. Toi, quand tu auras 35 ans, qui va encore te prendre? Tu dois seulement avoir l'argent pour qu'un homme te prenne. Quand tu auras 40 ans, qui va encore te prendre? Voilà. Donc, quand tu vois qu'une relation ne peut pas aboutir à ce que tu veux, tu quittes de là. Tu sais que tu n'es pas sur le bon endroit. Tu vas continuer à perdre le temps. Après, tu viens pleurer. Oh, j'ai perdu le temps. Tu as perdu le temps. Est-ce qu'on t'a attaché là-bas? Tu as quand même vu que ça n'allait pas. Mais tu es toujours là. Tu attends perdre le temps 1 an, 2 ans, 3 ans. Malgré que la relation ne marche pas. Tu ne fais que faire les enfants. Voilà les erreurs que vous faites. Tu ne fais que faire des enfants sans réfléchir. L'enfant ne garde pas le mariage. L'enfant ne donne pas le mariage. L'enfant ou grossesse, rien de ça ne donne le mariage. Rien ne donne. Enfant ne donne pas le mariage. Grossesse ne donne pas le mariage. Voilà, si vous allez rester dans ça, croyez que oh, je peux garder ma chérie. Ça ne donne pas mariage. Voilà. Voilà Chioma qui a perdu son fils là-bas. Davido l'a marié, non? Dès que l'enfant est mort, Davido l'a marié. Je vais aller travailler la team. Je vais m'habiller. Je vous laisse d'abord avec la télé. J'allume la télé. Je vais m'habiller pour sortir travailler. Je travaille le soir. Oh. Aujourd'hui, là, je travaille le soir. Jusqu'à 23h. Je vais commencer à 15h. Jusqu'à 23h. J'allume un peu la télé. Je vais porter le blouson. Je reviens. Je prends mon habit de froid. Donc, je vous ai, en tout cas, je vous ai même déjà parlé. Je n'ai plus trop à dire. Il faut que j'aille bosser. Je vais aller bosser, oh. Je vais aller travailler. Maman, il fait froid, oh. La terre est sale. Le froid est immense. Le froid du bidou. Elle la team. Vous aviez compris, non? Je vous ai déjà parlé. Prenez vos vies en main. Ta paix avant tout. Ta joie de... Ta paix avant tout. Ta vie avant tout. Je le parle. Ta vie avant tout. Oh no!
porte les habits de froid où je viens. Je vais sortir travailler. Il fait froid ici. Oh! Oh, oh, oh! Hein, la team, je suis là-haut. Je m'habille, je m'en vais travailler. Je m'en vais travailler. Je vais au travail, mes bébés. Oh, j'ai oublié d'éteindre la télé. Je m'en vais travailler. Je m'en vais bosser. Je suis une boss lady. Je travaille. Voilà. La terre est sale. La terre est salue, la team. La terre est salue. Mais bébé, je pars. Voilà mon citron ici. Quand il sort comme ça, je mets ça sur mes mains. Voilà, je commande même avec. Vous voyez, ça c'est mon citron. C'est toujours posé ici. Quand il sort, je mets ça sur mes mains. Contre les ondes négatives. Je mets ça sur mes mains. Pour purifier mes mains, quoi. Je purifie mes mains. Voilà. La terre est sale. Hein, la team? Ça va un peu changer parce que je quitte le wifi au truc de. Je m'en vais bosser, moi, et travailler. Hein? Hein, bosse au latin. Je travaille. Est-ce que ici en Europe tu vas? J'ai pas le choix. Oh, ils ont ouvert un bloc ça ici. Maf, hôtel. Voilà. Non, Edu Yasket. Oh, c'est ma fille. Yago, pour avoir des Yago, il y a Fig Bat qui baisse le. Y'a Tabousou. Y'a un cas tchotchu. Il y a une station. Il y a une montre jusqu'à Tibet.